السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد وعبارات جديدة من الحياة اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. مثلا إذا أردت أن أقول هو يحب أن يطبخ لكنه يترك المطبخ دائما في فوضى أو في حالة من الفوضى. خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il aime cuisiner, mais il laisse toujours la cuisine en désordre. Il aime cuisiner, mais il laisse toujours la cuisine en désordre. Il aime cuisiner, mais il laisse toujours la cuisine en désordre. الآن استمع لهذه الجملة. Ton histoire m'intrigue. Dis-moi davantage. Ton histoire m'intrigue. Dis-moi davantage. Voilà la phrase. Ton histoire m'intrigue. Dis-moi davantage. En arabe, قصتك تثير اهتمامي أخبرني أكثر. On a le verbe intriguer signifie éveiller la curiosité. يعني يثير الفضول أو يثير الاهتمام. Ton histoire m'intrigue, dis-moi davantage. Davantage يعني أكثر. Ton histoire m'intrigue, dis-moi davantage. الآن كيف أقول إذا كررت هذه الكلمة سأصفعك؟ تذكرون أصدقائي فعل يصفع؟ كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Si tu répètes ce mot, je te giflerai. Si tu répètes ce mot, je te giflerai. On a le verbe gifler, معناه يصفع, conjugué au futur. Si tu répètes ce mot, je te giflerai. Une autre phrase. Cela va être difficile d'arranger les choses maintenant. Cela va être difficile d'arranger les choses maintenant. Voilà la phrase. Cela va être difficile d'arranger les choses maintenant. En arabe, سيكون من الصعب ترتيب الأمور الآن. On a le verbe arranger, معناه يرتب, يعني يرتب الأشياء أو الأمور. Cela va être difficile d'arranger les choses maintenant. الآن كيف أقول هو خرج للرد على مكالمة على هاتفه المحمول؟ Il est sorti pour répondre à un appel sur son téléphone portable. Il est sorti pour répondre à un appel sur son téléphone portable. Il est sorti pour répondre à un appel sur son téléphone portable. Une autre phrase. لدينا العديد أو الكثير من الأصدقاء لكن ليس لدينا الوقت الكافي لرؤيتهم.
جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Nous avons beaucoup d'amis, mais pas assez de temps pour les voir. Nous avons beaucoup d'amis, mais pas assez de temps pour les voir. On peut dire aussi, on a beaucoup d'amis, mais pas assez de temps pour les voir. C'est la même chose. الآن كيف أقول كانت الكلمة على طرف لساني؟ J'avais le mot sur le bout de la langue. J'avais le mot sur le bout de la langue. J'avais le mot sur le bout de la langue. الآن كيف أقول هي تحدثت بصوت غير مسموع؟ Oui, très bien. Elle a parlé d'une voix inaudible. Elle a parlé d'une voix inaudible. Inaudible, ça c'est un adjectif, signifie qui est difficile ou impossible à entendre. يعني الذي يكون من الصعب أو من المستحيل سماعه. يعني غير مسموع. Elle a parlé d'une voix inaudible. Elle a parlé d'une voix inaudible. Une autre phrase. Il essaye d'établir de bonnes relations avec ses voisins depuis qu'il a emménagé. Il essaye d'établir de bonnes relations avec ses voisins depuis qu'il a emménagé. Voilà la phrase. Il essaie d'établir de bonnes relations avec ses voisins depuis qu'il a emménagé. En arabe, هو يحاول ربط علاقات جيدة مع جيرانه منذ انتقاله. On a le verbe essayer. نعرفه جميعا هو يحاول établir يعني ربط أو إقامة de bonnes relations علاقات جيدة les voisins مع الجيران. Et on a le verbe emménager, معناه الشخص عندما ينتقل أو يرحل إلى مكان آخر. Il essaie d'établir de bonnes relations avec ses voisins depuis qu'il a emménagé. الآن كيف أقول أنا أريد أن أنفق أقل ما يمكن من المال هذا الشهر؟ Oui, très bien. Je veux dépenser le moins d'argent possible ce mois-ci. Je veux dépenser le moins d'argent possible ce mois-ci. Je veux dépenser le moins d'argent possible ce mois-ci. Jumla okhra. أخيرا تمكنت من إقناعها. Finalement, j'ai pu la convaincre. Finalement,
J'ai pu la convaincre. Finalement, j'ai pu la convaincre. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول أنا لم أجرؤ على سؤاله عن اسمه كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم